Là, c'est le module de Z qui vient traiter la distance OM. Maintenant, je fais appel à l'exercice introductif. Là, on a pris X, Y, Z, le couple des coordonnées du point M dans le plan. Donc, d'après l'exercice introductif, d'après l'exercice introductif, on a le x va être égal à r cosinus theta et le y est égal à r sinus theta. M est donc l'image de z. Bon, M est en image de z dans cette bien z, c'est la fixe de M. Là, on a pris le couple. Automatiquement, ça devient que X appartient à R et Y appartient à R. Très important. Parce que maintenant, je vais passer à l'écriture algébrique de Z qui exige, lorsqu'on a écrit sous forme X plus Y, ça exige que le X soit un réel et le Y aussi. Là, on les a de manière indirecte. Donc, ce sont deux nombres réels. Et puisque M, c'est l'image de Z dans le plan, ou bien Z est la fixe du point M. Là, on a aussi le Z n'est que le X plus I, Y. On le tire de là. Donc, et je reviens à la relation qu'on avait démontré dans l'exercice introductif, là, et on obtient un assez important résultat. On obtient que Z est égal à remplacer X par R cosinus theta, et bien sûr, Y par R sinus theta. Cette relation qui va être équivalente à Z est égal à R cosinus theta plus I sinus theta. Et cette dernière forme, c'est ce qu'on appelle la forme trigonométrique du complexe Z. Lorsque theta, un argument de Z et R sont modules, bien sûr, non nul. Donc, maintenant, conclusion, on a obtenu que Z est égal à R cosinus theta plus I sinus theta. Cette dernière écriture s'appelle une forme trigonométrique. Ah, c'est controversal, on ne dit pas la forme, une forme trigonométrique du complexe. La forme portable de langage parce que là le theta n'est pas unique. On a vu ça dans l'exemple. Theta peut prendre différentes valeurs mais qui sont toujours congrues au niveau 2. Donc, et pour simplifier, on écrit et on écrit Z. Notre crochet est theta. C'est-à-dire, lorsqu'on a un complexe de modules R et d'arguments theta, ce complexe s'écrit sous cette forme-là. Ça s'appelle la forme d'une forme trigonométrique du complexe Z.
entre R étoile plus R étoile plus R theta non réel. Je reprends. Lorsque un complexe s'écrit sous cette forme-là, est-ce qu'on a bien le theta, c'est l'argument du Z pour le module, c'est pas très clair là que le module, lorsqu'on écrit Z sous cette forme-là, bon, le module du Z va être égal à R cosinus theta plus I sinus theta, qui va être selon les propriétés du module, c'est module d'un produit et le produit des modules. Là, le R étant strictement positif, c'est R. Ce complexe-là, son module, c'est 1, pour la simple raison que le cosinus au carré plus sinus au carré, c'est 1. Donc là, se pose un problème de réciproque. Ça, je vais vous laisser le soin de montrer que l'état est bien un argument de Z lorsque Z s'écrit sous cette forme-là. Et là, je vais effacer et reprendre ce que j'ai dit maintenant. Je remarque une extrême importance et vous allez chercher une démonstration. Je vous conseille d'adopter une méthode géométrique. Mais par l'occasion, je vous rappelle qu'à partir de 2008, on a eu un nouveau programme. Sous forme, question là, une sous-question, sous forme.
Rigolo mi grinchi. Rigolo non mi grinchi. Le complexe. Z1, virgule, Z2, virgule, Z3, et finalement Z4, en se basant là, par rapport au résultat. Donc là, je vais achever. Si, alors, là, alors, module de Z égale à R, et on a argument de Z va être congru à état modulo de pi. Intéressant, puis ici je vous conseille de le faire en se basant à la méthode géométrique. D'accord ? Et je vais faire la correction pour les prochaines vidéos. Intéressant, comme il existe. Donc, là je reprends, si un complexe qui la forme R, cosinus θ, cosinus θ, le sinus θ, le même θ, donc, on déduit que son module est facilement. Ce qui reste à justifier, c'est que son argument est bien θ. Donc, on va essayer d'adopter à l'individuel. Donc, on passe à la correction de l'exercice 2. من تكون هناك سنة بيطلع.
عائلتكم وأحبائكم اللي معاكم عايشين في الدار. يا لا بروشين اجلوا لي سي اونتر غون تكنيسيان ديال نفسي سعيد حجي باسكو سي لي كي بور توت لا شارج وي ديال لوريجسترمون لي لونسمون دو لا شين يوتيوب لي مونتاج تو جو لو ميكسي انفينيمون. يا لا بروشين.